Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc comme tu peux le constater, on continue de regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on va pas se mentir, les deux matchs qu'on a eu le droit cet après-midi, ils sont absolument magnifiques. Dans un premier temps, on a eu Guinée contre Malawi. La Guinée a mis une fessée littérale au Malawi. Le Malawi n'arrivait à rien faire pendant le match. On a pu voir que la Guinée était un pays très organisé en matière de football. Ils avaient des automatismes et surtout, ils avaient un fond de jeu. Oh là là, attention à la Guinée, qui sont bien sûr dans la poule du Sénégal, hein, qui a fait un petit peu les timides cet après-midi en remportant un but à zéro face au Zimbabwe. Le Zimbabwe, qui est une équipe qui n'avait pas forcément des automatismes, ni de fond de jeu, ni de talent pur, à part le capitaine qui a su faire trembler les Sénégalais. Mais là, on a eu un autre match entre le Maroc et le Ghana, et ça, c'était le choc du jour. On va pas se mentir, ça, c'est deux nations du football qui sont assez puissantes, hein, sur le papier. Bon, le palmarès du Maroc, ils ont une coupe en 1900, je sais plus quelle année. Dans tous les cas, vous connaissez l'année, vous allez la mettre. Voilà, dans tous les cas, on est ensemble. Peuple du Maroc, vous connaissez, vous avez gagné, vous êtes les rois, vous êtes rentrés dans la compétition de manière royale. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes venus, vous avez marché sur le Ghana. Le Ghana, ils étaient là par terre. Ah, arrêtez de marcher sur nous. Vous avez dit, ici, c'est le royaume. Tu comprends? On t'explique comment ça se passe. Notre roi, il impose sa loi et tu te tais et c'est nous qui marquons le but. Tu comprends? Tu comprends, Ghanéen? Là, vous êtes parti, hein, le Ghana. Allez chercher le vieux Jordan Ayew. André Ayew, il est où? Hein? Jordan Ayew, là, sur le terrain. On voyait que son crâne qui courait sur le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des occasions. Vous n'avez pas su les concrétiser. Vous frappez dans les tribunes alors qu'il n'y a personne dans le stade. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous avez oublié vos priorités? Faut marquer le but dans les cages et non pas dans le stade. Tu comprends? En tout cas, bravo aux Marocains qui prennent les 3 points. Voilà, donc c'est très bien. C'est bien d'avancer par une première victoire dans cette compétition. Surtout, tu connais comment ça se passe. On ne sait jamais jusqu'au bout comment ça va se terminer. Là, le Maroc peut avoir gagné, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Si ça se trouve, après, c'est le Ghana qui va finir premier. Hein? Donc, les Ghanéens, ne perdez pas espoir. Vous avez fait un très bon match aussi. Vous avez été très dangereux, même si vous tirez tout le temps dans le stade. Voilà, c'est ce que j'ai vu, moi, pendant le match, que les frappes n'étaient pas assez cadrées. Vous aviez des occasions, vous avez des situations, mais ça finit jamais dans les cages. Tu vois ce que je veux dire? Là, 1-0, c'est totalement mérité. Le Maroc a su vous contenir et vous prendre dans les moments où vous étiez les plus faibles. Là, Vaïd, là, on va pas se mentir qu'il a quelque chose avec le Maroc. Là, en plus, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'équipe. Il y a eu des joueurs qui devaient venir, qui ne sont pas venus. Il y en a d'autres qui devaient venir et qui ont dit finalement qu'ils ne pouvaient pas venir. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, les joueurs qui sont là se donnent à fond et ça fait plaisir. Dans tous les cas, tu connais. Nous, on va voir les prochains matchs. Tu sais très bien qui est-ce qui joue demain. Il y a l'Algérie, mais il y a aussi le Mali, hein, mon pays, tu vois. Donc j'espère qu'on va rentrer dans cette compétition beaucoup mieux que tous ceux qui viennent de commencer. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce n'est pas des pénaltys ou des 1-0, je sais pas quoi. J'espère qu'on va mettre des 4-5, 8-0. Tu comprends? Tu entends ce que je te dis? Allez.